Dadou Jambard, il n'y a pas un dossier en justice. Il y a des allégations qu'un journal qui est le De Guardian qui est en Angleterre fait, et avec un journaliste qui est en première ligne, bon, pas un journaliste, avec un Français qui est en première ligne, qui est Romain Molina. Il a fait des allégations, il a créé un scandale, mais pas un dossier. Dadou Jambard, il n'y a pas un dossier en justice. Mais puisque il y a un scandale qui fait, le commissaire du gouvernement, la fournie, j'ai regardé, les besoins qu'on a, qui s'est passé directement. Donc, qu'est-ce qui fait que, hier, le commissaire du gouvernement, il tendait 9 personnes dans la Fédération haïtienne de football. Il y a toute une série d'organisations internationales qui visitent les fédérations pour connaître le pourquoi de cette affaire. Donc, pour le moment, pas de dossier, pas de victime, pas de plaignant. Ça m'a même nous retenu. Nous avons un dossier qui concernait abus sexuels. Si pas une victime, si pas une plaignant, pas un abus sexuel. Jusqu'à présent, nous faisons face à une machination qui vise un seul objectif, c'est déloger Dadou Jambard de la Fédération haïtienne de football. Dadou Jambard n'est pas en train de démissionner et n'attend de pied ferme monde qui victime nous. Attendez. Commissaire du gouvernement jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de dossier contre M. Jambard. Il était remis à mener enquête. Il était espéré que les protagonistes, l'organisation FOM, les journalistes qui ont parlé en pile dans la radio, les gens qui ont joué sur les réseaux, il était espéré que les gens ont identifié des victimes. Mais puisque après 15 jours de scandale, pas de victimes, pas de dossier, mais nous avons poussé le dossier très très loin. Nous déposons une plainte pour subornation de témoins. Nous attendons qu'on invente des victimes. Et le sang a poursuivi les victimes supposées et n'a poursuivi les gens qui débarrassent à auto. Moi, j'ai annoncé déjà formellement, à partir de la semaine prochaine, n'a communiqué à la presse en général documents judiciaires de plainte que nous avons déposé en France contre Romain Molina. Parce que pas de chantage, pas de surenchère. Il faut que les victimes sortent dans la colonne journal des Guardian. Si vous plaignez, si vous victime, il faut que vous manifestez physiquement devant la justice haïtienne. Nous avons créé un scandale. Il a créé un flou. Dadou Jambard, il y a 20 ans, il a résisté face à des accusations de corruption, il a continué à résister. Donc jusqu'à présent, c'est une machination, c'est un complot des traîtres, des haïtiens qui sont des traîtres. Ils mettaient avec un petit blanc, un certain Romain Molina,
que vous qualifiez de puc, de voyou, c'est lui qui a fait tout désordre ça. N'a poursuivi devant le tribunal et en Haïti et à l'étranger. Pour nous finir, le commissaire du gouvernement a continué à regarder toujours. Nous disons pas de problème, continue à regarder. Il y a un monde qui le verra dans la semaine prochaine. Donc, il m'a dit nous retourner, mais retourner. Non, il m'a dit nous retourner jeudi, nous avons retourné. Nous avons venu chaque jour si livré. 11h. Nous avons venu chaque jour si livré. Parce que faut que nous venions à la victime. Nous avons que tout le monde retenu. Pas de dossier jusqu'à date. Il y a une machination, un complot, parce que les victimes vont nous rejoindre. Qu'est-ce que ça me donne seulement? Non, Romain Molina, pas un journaliste. Romain Molina, pas un journaliste. Non, il y a bien poursuite contre tout le monde. Mais comme Romain Molina, c'est l'équipe qui chauffe devant le banc, on a poursuivi. D'ailleurs, je vais annoncer que nous en possession de audio, conversation Molina avec des gens en Haïti avant qu'on complot été fait. Nous commençons à gagner les maillots. Nous avons privé sous nous au moment opportun. Est-ce qu'on pense que c'est pour capable de retirer notre fédération? L'objectif qui visait, c'est déloger M. Jean Bang de la Fédération haïtienne de football. Mais jusqu'à présent, complot, pas cachita. C'est machination, c'est scandale que vous avez créé. Seul le même temps, dit seulement. Nous avons dit que Haïtien. Je vais un appel au peuple haïtien. Il faut que les gens fassent preuve de discernement. Parce que les gens qui ont l'école dans le pays, mais l'autre des bagages que nous avons dit sur les réseaux sociaux, il y a des jugements que nous avons fait, on dit mais pour le pays, ça n'a pas d'avenir. Moi aussi, mais que Jean Descartes te dit, la raison, c'est des bagages que tout le monde gagne, le bon sens. Avant que les gens aient dit grimace, ou dit des bagages de monde qui passent, il faut réfléchir, il faut faire la part des choses. Si vous avez un scandale sexuel, on nous tout demande contre victime. Bon, désormais, mes slogans. On nous demande contre victime. On demande une organisation femme. Au lieu que vous venez lever pancarte, vous dites qu'il faut d'adou aller, il faut juger d'adou. On demande, mesdames, femme, contre victime. On a cherché là avec vous. Parce que ces citoyens, nous et tout, nous pour la moralité de la société. Si vous avez un problème, il faut le trancher. On dit désormais, le slogan, c'est contre victime. Contre plaignant. Salut. Pratiquement que moi salue nous et moi pas voulais dire que ça c'est un point de presse, mais moi te tiens que le fait que le très tôt nous t'es sur la cour paquet, hein, donc moi te le dis nous yon mot et nous pas sans savoir que le parquet de la Croix des Bouquins il y a une enquête l'a mené autour et du dossier du président et Yves Jean-Bart alias Dadou. Et bien jeudi on était invité paquet a été invité lui. Mais et nous autres, nous renvoyer invitation ça à la huitaine parce que nous avons une enquête que nous avons menée. Et bien, nous avons des personnages que nous auditionnons, nous tendons déjà autour de cette enquête. Et il y en a d'autres personnages que nous avons pour nous auditionner, pour nous tendre. Et le fait que le docteur Yves Jean-Bart, donc c'est l'épine dorsale même de l'affaire. Donc nous avons jugé le nécessaire et de l'auditionner après. Donc il y a des personnes, donc le parquet a jugé bel et bien et d'entendre ou d'auditionner avant. Et c'est pourquoi que on avait envoyé l'invitation de Yves Jean-Bart, Didadou, à la huitaine, soit plus précisément jeudi qui sera 20 mai. Donc c'est tout que j'ai à vous dire, la presse. Et comme ça, après l'enquête, c'est sûr et certain, et comme c'est émané en nous-mêmes, de dire toujours et de communiquer toujours avec la République. Vous aurez le temps et d'en savoir davantage et de ce qui s'est passé autour de cette enquête. Voilà, c'est tout. Je suis un peu plus de temps.
Excusez-moi.